Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plus le petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur Clash Royale, aujourd'hui on se retrouve pour finir le défi classique les gars. J'ai déjà fait la vidéo précédente avec le jeune double prince, la vidéo encore d'avant avec le lockbait. Cette fois-ci on s'attaque à mon deck ladder, mon deck principal, mon deck favori, le géant, le bully cimetière gel. C'est mon deck préféré tout simplement, je le trouve super fort. Donc là je suis très bon avec ce deck, donc là je vais pouvoir donner des vrais conseils, etc. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à ce petit pouce bleu, à me dire en commentaire les gars le deck que je vous présente. Et puis on part tout simplement dans cette première deck. Hop, c'est parti. D'ailleurs merci à celui qui regarde toutes mes games, hein. Je sais absolument pas qui c'est, mais merci à toi si tu passes ici. Ok, bon. Alors ça c'est du zappi, je reconnais. Bon alors là j'ai vraiment la pire main de départ pour commencer qu'un zappi. Oula mamie, oula le zappi là, oh le zappi mamie, c'est pas plaisir là. Bon on va devoir cycler Lewis par contre. Ça m'arrange pas des masques là, j'ai vraiment que des cartes que j'ai pas envie de cycler là. Ok, roi squelette, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah bien évidemment pas les cimetières, attention, roi squelette. Ok, on va aller mettre le dash, alors ça c'est cool par contre. Ah ouais, là, encore une fois, j'ai encore pas les bonnes mains. Alors là, faut que je fasse gaffe ici. Oh, ah, c'est bien du zappi, ok. J'étais pas sûr, mais c'est bien du zappi, ok. Alors là, on va avoir un gros souci, là, si le géant squelette, il meurt pas. Ok, c'est bon. Enfin, le roi squelette, je veux dire. Ok, parfait, là, c'est bon. On a réussi à faire la première défense. Ok, je vois ce que c'est comme deck. Alors là, on a vraiment pas bon match-up. Mamie, plus roi squelette. Ça fait beaucoup. On va mettre un Dark Prince parce que je pense qu'il a plus beaucoup d'élixir. Il a pas grand chose pour défendre à mon avis. Ouais, il est obligé de mettre une mamie. Et là, le Dark Prince qui va aller connecter sur la tour et qui va mettre énormément de dégâts. Plutôt clean hein, sur ça. Là, je pense que je vais pas défendre, je vais laisser gratter, j'ai pas trop le choix de toute façon. Là, ça serait prendre un risque de défendre. Et j'ai pas une prendre de risque. Zappi c'est pas forcément le match-up le plus évident quand tu joues cimetière gel. Là je vais leak parce que je préfère attendre une x2 sur ça. Ok, pas en Zappi, j'ai parti en D2. Comment je peux aller faire la défense là? Je pense que je vais bouliste tornade gel, hein. Écoutez, je vois pas. Ou peut-être bouliste. Ouais, bouliste. Ça dépend. Si Master Saitrix, je tornade gel. S'il n'est pas Saitrix, c'est bon. Ok, ça me va. Ça me convient. Voilà, il a fait de la merde. Oh bah alors toi. Alors toi mon frérot. Hop. Petit Dark Prince ici. Voilà, parfait. Et là on est vraiment bien puisque même s'il mettait sa mamie, c'est pas grave. Je vais pas défendre sa mamie. Enfin j'ai pas le gel je pense. Enfin, j'ai pas le gel sa mamie, c'est inutile. Donc il a beaucoup d'âme. Et c'est bon, il meurt, tout va bien. Est-ce que Bruce pourrait tenir la tour? C'est pas grave. Nous avons ce qu'il faut pour défendre. Voilà, bon, il a fait de la merde là. Hop, là, on a une petite tornade gratos. Le 2-2 qui gère. Et on va aller prendre cette première win. Ce sera un petit zappi. Hop. Nickel. Peut-être le 3 couronnes. Est-ce qu'on a le temps d'aller prendre le 3 pour plus? C'est la vraie question. Non, on n'aura pas le temps. Mais c'est pas grave. On va aller prendre cette première win. Ça fait plaisir. Donc avec le cimetière gel en général on aime bien attendre de voir ce qu'il fait, défendre et partir en contre-push. Ok, allez c'est parti, prochaine game contre Fipou. Petit Fipou. Hop. Ok, bon là c'est du lockbait. Merde, j'ai mon placement, c'est pas grave. Lockbait c'est pas un matchup si c'est bien joué. Ok bon. C'est du lockbait, c'est une certitude. Ok bon, alors toi. Alors toi mon frérot. Alors toi mon frérot là t'es dans la sauce. Je te le dis. Ouais, c'est... Ok c'est pas un joueur lockbait lui. C'est pas un joueur lockbait, je vous le dis. Ça c'est une certitude.
Tu requêtes pas un bouliste en x1. Je suis désolé, tu requêtes pas un bouliste en x1. Personne ne fait ça, il est complètement taré ce mec. Parce que là, du coup, moi je vais défendre facilement sa. Alors toi. Alors toi, mon frérot. Alors toi là, oh là 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 là, les erreurs qu'il fait. C'est terrible, hein. C'est terrible. Bon là, te fous pas de ma gueule non plus. Merde, bon, ok, handicapé. Bon, après, si je suis autiste comme ça, vous pouvez faire grand chose. Hein. Ok, je vais mettre ça là. Ok, bon. Il met un gang, logique, quand même Dark Force pour défendre. Là, il a le droit de cycler son fût. Maintenant, qu'est-ce qu'il branle? Il va vraiment mettre un fût. C'est terrible ça. Le bully, ça c'est la défense parfaite. Normalement, quand vous l'avez à cette eau, moi j'ai pu essayer d'exir. Normalement, ça défend parfaitement. Ok, bon. Vous mettez une case derrière la tour du roi, et enfin derrière la tour de la princesse. Et normalement, le bully, ce qui va taper quand il y aura. Il y aura le fût. Ok, bon, il met une T2 très agressive. Là, je pense qu'on a un gros avantage par contre, pour le coup. Ah, quel chien. Est-ce qu'il roquette? Ça, c'est la vraie question. Là, il pourrait roquette. Allez, s'il a sûrement plus d'élixir, s'il le fait pas. Je pense que sinon, il l'aurait fait. Alors, attendez. Là, un peu cimetière. Son algel. Ouais, si on met son bloc de gobelins, voilà, je m'en doutais. Logique jusque-là. La bûche, je pense. Qu'est-ce qu'il branle? Ok. Il met une T2. Ok, on va aller mettre une princesse. Là, on va l'activer à tour du roi, par contre. Hop. Voilà, je veux juste préchoter la princesse avec mon Dark Prince. Ok, c'est bon. Là, on va mettre ça là, parce que sinon, il va roquette. Est-ce qu'il y a comme roquette ou pas? Non, ok, on bouliste. Tranquille. Là, on a pas à se stresser, puisque dans tous les cas, on est devant. On est bien devant, même. Hop. Alors, faut juste que je fasse gaffe, il n'y a pas de choc. Là, j'avoue, ça me titillerait comme il faut de choc. Ok, on va aller mettre la petite, petite princesse ici. Et on va aller prendre cette win contre le lockbait. Contre Fipou. Fipou qui a très très mal joué au début, qui a bien joué à la fin. Au début, je sais pas s'il a branlé, il a stun comme un gros porc. Mais c'est pas grave. Voilà, il a son petit profil qui a l'air d'être sympathique. Ok. Allez, c'est parti. Prochaine game. Ok, c'est parti. Ok, on va mettre un Dark Prince. J'ai bien cyclé le Dark Prince en général. C'est une bonne carte. Alors les gars, il y a la version de Valkyrie aussi, mais je préfère jouer au Dark Prince, il est beaucoup plus polyvalent. Pour terminer les tours, pour les dégâts de zone et tout, il est beaucoup plus polyvalent. Certes, la Valkyrie sera plus forte sur certains match-up, genre quand il y a une sorcière ou des conneries dans le genre. Mais t'en rencontres pas tous les jours de sorcières, quoi. Donc, bon. Oh, double fût. Double fût, c'est ça, je suppose. Je présume. Là, je vais cimetière x1, parce que, il a plus de gobelins à sa bacane. Et c'est la carte qui me fait chier. Ok, il a un poison. Il a un esprit. Ça va être chiant. Ça va être relou, la game. Elle va être relou. Ok, il rajoute une bûche un peu inutile, là. Ouh, la game va être casse-couille. Qu'est-ce que c'est que ça? Dark Prince, bûche, Kirikou, sorcier de glace, poison, esprit électrique. Ok, bon. On va cycler le bébé dragon. C'est sûrement du Miller Cycle, je pense. Ok. Ok, ok. Je mets une puissance électrique. Ok, c'est du cimetière. Pas du tout. Ok, bon, alors du cimetière poison. Très, très bien. Bah, ouais, mais là, ouais. Ok, ok, ok. Tout s'explique, tout s'explique. Du PK cimetière. Très, très bien. Ok, bah voilà, par contre là gros, tu forces là. Non mais il force pour pas faire d'effort là. Je vais gel direct comme ça au moins, hop, allez. Dès qu'il reste en vie. Est-ce que ça le poison, j'espère que c'est bon, nice. Et là le cimetière qui prend le focus. Et on va aller prendre cette tour. Tout simplement. Petite astuce les gars, s'il y a un poison, faites tanker le cimetière pour vos troupes. Normalement tu fais tanker les troupes pour le cimetière. Et bah là tu fais l'inverse. Et ça marche très bien, hein. Ça marche très très bien. Ok, on va l'éternat de ça, parce que ça va faire très mal sinon, un peu trop même. Bah je pense non, on peut pas faire attention. Tout va bien. Ok, on va aller mettre un bouliste. On a 30 secondes à tenir, je sais pas si on va pouvoir les tenir. PK cimetière, c'est assez relou.
Bon, là il force là. Là, écoutez, je sais ce qu'il va faire là. Là, je le. Ok, la créature du roi, c'est fini pour lui. C'est GG. C'est GG, je vous l'annonce, les gars. C'est GG, je le sais. C'est forcément GG. Il a pas d'autre chose et là, c'est trop tard. Il a juste à full bloquer au pont. Et là, en fait, le cimetière, quand la tourture est activée, le cimetière ne fait aucun dégât. Alors, fait ne fait zéro dégâts si les deux cette tourture est activée. Et il n'aura pas le temps. Et on va être en 11-1. 11-1, c'est ça, il me semble. Hein, si je dis pas de la merde. Hein. Dis-moi si je dis de la merde. Non, je pense que c'est 11-1, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est du 11-1. Ouais, ok, c'est ça. Parfait. On va prendre le petit palier. Ouais. Ok, bon, en vrai 11-1, c'est clean. C'est clean. Allez, on part sur cette dernière game de la vidéo, les gars. Alors, une vidéo très courte, hein, pour le coup. À moins que je perde, hein, je peux encore la perdre. Hein. C'est pas rien n'est gagné. Hein. Ok, merde. Je pensais qu'il avait fait le placement titan mad. Je suis un peu con. Ok, ça commence très 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 mal. C'est pas grave. Alors, ouais, bah, si on s'approche au pont, je suppose que moi je vais faire ça. Il s'approche au pont comme d'hab. Non. Ok. C'est pas du lock bait. Oula, what the fuck. Qu'est-ce que ça peut être? Fiocopla, bébé dragon. Bon, ouais. Dragon électrique, ok, bon alors là par contre frérot, te fous pas de ma gueule. Là c'est la tour là, hein. Là c'est la tour qui tombe je pense. Hop. Alors là par contre il faut savoir que je dois être à moins 4, moins 5 là je pense. Alors dommage que ça ne meurt pas. Ici il va me sortir quelque chose dedans peut-être. Bon, un roi squelette très très bien. On va aller mettre le bouliste. Oh. Ouh, ça va être chaud à défense, ça, je vous le dis. Alors, ouais, ça va. J'ai ma tornade. Donc, ça va, voilà, ça va. Très, tout va bien. Alors, par contre, c'est du. J'ai un roi squelette clone avec un fuseux gobelin. Ok, très bien. Là, on a juste à tenir la défense. Et nous ferons notre petit 12. Ok, mais une pompe. Ça, c'est relou. C'est très, très relou pour nous. Alors je vais cycler mon D2 je pense. Non il est trop important. J'ai rien à cycler là, c'était mon sorcier truc en vrai. Je sais que je peux le cycler parce que je m'en bats un peu les couilles. C'est la seule carte que enfin, vraiment que je peux cycler. Après toutes les autres cartes sont importantes. Je vais le Dark Prince je pense en premier. Si le dragon fait des dégâts de zone, le bully c'est pareil, le D2 va tuer le roi squelette le plus vite possible. Je peux. Merde, j'ai raté mon. Oh merde. Oh la sauce. Oh ça commence déjà. Ok, bon. Ok, vraiment, c'est vrai s'il meurt par contre. Allez, s'il te plaît, un petit effort. Ok, là, c'est l'église là. Heureusement que je l'ai encore. Ouais, c'est bon, c'est free def. Hop. Petit sens électrique là, il a fait de la merde. Oh oui, putain, j'ai oublié ça. Non, ce détail. J'ai oublié ce petit détail. Ok, là, il devrait avoir plus. Ok. Ça va, tout va bien. 30 secondes de tenir encore une fois. Hop, petit bouliste. Donc là, je vais devoir faire un bouliste en agile, hein. C'est une certitude. Là, je sais très bien, je ne pourrai absolument pas tenir une défense. Enfin, la défense toute entière. Alors là, ce que je vais faire, c'est comme ça, comme ça. Comme ça, est-ce que je vais pouvoir tenir? Ça, c'est la vraie question. Ok, hop. C'était chiant parce que là je perdais la tour, c'est lose, hein. Je vous l'annonce, si je perdais la tour c'était une lose. Et on va aller du coup prendre ce 12 victoires, let's go, ça fait plaisir. On aura fait le 12 victoires avec 3 decks différents, donc le Lockbait, le Dark Prince, le Double Prince et le comment ça s'appelle. Et voilà, et le cimetière gel, ok 25 za, bon on s'en bat les couilles un peu du coffre. Et du coup on a notre petit badge défi classique sur ce compte. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était vrai, cool, ciao.